par l'Ukraine. Elvire Tesa, on verra sa note dans quelques instants. On va repasser du côté de l'équipe d'Ukraine pour... dans quelques instants, eh bien... la situation finale dans cette lutte pour la médaille de bronze avec le passage de Yekaterina Serebrianskaya. Il y a un joker d'engagé. Il y avait quelques sifflets au Palais Omnisport de Paris-Bercy, non pas contre Yekaterina Serebrianskaya, mais à coup sûr contre la note qu'a obtenue Elvire Tesa. Elle sera en dessous de 9, je vous le dis tout de suite. Auparavant, on va s'attarder sur cet exercice de Yekaterina Serebrianskaya au ruban. Un exercice absolument superbe. La qualité du travail de Yekaterina Serebrianskaya, aucune faute bien évidemment sur cet exercice présenté au ruban. Elle avait besoin de se rassurer un petit peu, Yekaterina Serebrianskaya.